Et bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo qui arrive un peu en retard par rapport à ce que j'aurais pu faire par rapport au contenu que je vais vous parler. Je suis là pour vous faire un petit bilan de cette chaîne YouTube maintenant depuis 2 ans. Donc ce 12 mai dernier, ça faisait 2 ans que j'ai ouvert cette chaîne pour me relancer après un peu le fiasco, mais un peu la fin un peu difficile de mon ancienne chaîne. Et pas évidemment de 2-3 autres petits détails concernant le contenu et la chaîne, les lives et autres. Tout d'abord, j'aimerais juste vous rappeler que je serai présent en juillet à Japan Expo à Paris, avec toute l'équipe de Tai Shindai, Starry Sky et EPB et tout ça, toute l'équipe des anciens Voxmakers. Je serai comme ces dernières conventions avec eux en tant que caméraman, c'est-à-dire je les filme toutes les conventions et puis ils en font une vidéo avec. Donc voilà, c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux, c'est plaisir qu'ils me refassent confiance encore une fois, pour la 3e fois maintenant. Donc voilà, merci à eux. Donc n'hésitez pas à venir passer sur le stand, et moi je serai là, n'hésitez pas à dire bonjour si vous passez dans le coin, allez, merci. Donc ça fait maintenant 2 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, et disons que le bilan est mitigé, voire médiocre. Quand j'arrive par rapport aux chiffres de ma première chaîne, donc que j'ai créée en 2011, donc il y a bien trop longtemps, j'ai regardé les stats dernièrement, puis je m'étais rendu compte que 2 ans plus tard, après l'ouverture de cette chaîne-là, j'avais atteint quasiment 3000 abonnés. J'étais à 2900 et quelques, ça passait plutôt bien. Aujourd'hui, sur cette chaîne-là, 2 ans plus tard, on n'est même pas à 500. Je peux vous dire vraiment que, au fond de moi, ça me fait mal. Je sais que je ne suis pas là pour la fame, pour l'argent. Enfin, vous imaginez bien que pour un Suisse, vivre de YouTube, c'est impossible. Enfin, faut vraiment, il y a quelques élus qui ont réussi à percer dans ce milieu, à ce niveau-là. Diablo X9, Wartech et genre de personnes, Grand JD. Mais c'est très rare pour un Suisse. Donc voilà, moi, c'est vraiment pas un truc que je visais pour en faire mon métier. J'en fais plus ou moins mon métier maintenant, vu que je travaille dans une boîte de production vidéo. Donc ça me permet de toujours travailler un peu dans ce domaine. Mais voilà. Mais au-delà de tout ça, il y a vraiment eu un problème de motivation qui s'est installé chez moi, qui a commencé à peu près, je dirais, en 2014 à peu près. C'est à peu près à l'époque où j'ai commencé à avoir des red dislikes. Pour les très vieux qui me connaissent, sauront de quoi je parle. J'ai eu quelques problèmes de red dislikes, des personnes qui postaient mes vidéos sur des forums et qui m'apportaient beaucoup de haine. Hein, c'était pas très très sympa, ça durait presque 2 ans. C'était pas très sympa à vivre. C'est pas affreux non plus, mais disons que ça m'a quand même pas mal touché au niveau de ma motivation, de mon envie de faire des vidéos. Disons que j'aime toujours faire des vidéos, mais je n'en trouve pas la motivation en fait. J'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Actuellement, j'ai eu plein de vidéos qui sont soit en pause, soit en attente de montage, soit en attente de tournage. Je dois avoir 2 ou 3 vidéos qui sont sous un fichier de texte. J'ai une vidéo que je prépare depuis un an, où j'ai même tourné déjà des choses. Il faut juste que je fasse un vrai tournage dessus puis pour que je m'y mette vraiment au montage. J'ai une autre vidéo qui a été tournée, qui est juste entièrement, il faut juste que je la monte réellement. J'ai passé 1 heure il y a 2 semaines, puis depuis j'ai plus retouché. C'est 3 mois que j'ai tourné cette vidéo. Et en fait, c'est vraiment une situation qui s'est vraiment arrivée vers moi en mode j'arrive plus à me mettre sur les vidéos. Et c'est un truc qui me dérange moi-même. Ça me dérange que je n'arrive plus à avoir cette motivation que j'avais eue il y a quelques années. C'est aussi pour ça qu'il y a très peu de vidéos en ce moment sur ma chaîne. C'est vraiment que j'aimerais bien en faire. Mais j'ai pas envie, après avoir travaillé 6-7 heures en montage dans ma boîte, je me dis je vais rentrer chez moi. Remettre au montage, c'est vraiment pas quelque chose qui j'ai très souvent envie de faire. Donc même des fois quand je suis en vacances, le week-end ou en ce moment je suis en arrêt maladie, hein, j'ai eu une appendicite, tout ça, enfin, des détails. Même là en semaine de vacances, je n'ai rien foutu quoi. Je tourne cette vidéo-là, c'est le samedi soir. J'ai encore une autre vidéo que je dois monter pour quelqu'un d'autre, donc c'est un truc que je peux même pas avoir la flemme de le faire. Donc j'ai rien foutu cette semaine quoi, alors que j'avais tout le temps de le faire. Ce problème de motivation que j'ai, qui s'est amplifié depuis pas mal d'années, hein, qui a même un peu répertorié sur mon travail en réel, parce que c'est vraiment des fois, j'arrive au travail, j'ai rien envie de faire. C'est vraiment, c'est un peu le problème que j'ai eu avec ces années, c'est que je sais pas comment sortir de cette phase. Parce qu'évidemment, le problème justement, c'est que le fait que je fasse des vidéos maintenant depuis 8 ans, et que je dépasse pas encore aujourd'hui, cette vidéo va faire 100-150 vues. Sans doute pas plus, enfin, ça m'étonnerait. Surtout qu'elle va être un peu longue, je pense. C'est que, disons, ce manque de vues, de
pas de reconnaissance, mais ce manque d'intérêt que j'ai l'impression qu'on m'apporte me démotive totalement. Et ça me rend triste pour moi-même, quoi. C'est, je sais pas quoi faire. La seule chose que j'ai encore réussi à garder motivation, c'est les lives. Et encore, c'est pas facile, je vous en parlerai plus tard. Mais vraiment, les vidéos, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de mal. Même le Yametezap que je viens de sortir, enfin l'épisode 0 qui est sorti maintenant il y a un peu plus d'un mois, même il y a quelques jours, j'ai envie de me dire, mais à quoi bon, quoi? Pourquoi je fais ça? J'ai envie d'arrêter Yametezap, me dire, arrête de faire un projet aussi gros dont j'aurais même pas la motivation de le faire. On est en train de voir pour faire les tournages, mais bon, c'est... Voilà quoi. Et au-delà, c'est aussi de ce manque de motivation, je dirais que j'ai en fait aussi un problème dans mon mode de vie en fait. Actuellement, donc je travaille, mais je n'ai pas un salaire assez conséquent pour pouvoir me payer mon propre appartement. C'est-à-dire que je vais encore chez mes parents, tout va bien avec eux, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais du coup, en fait, je me suis très vite rendu compte que par rapport aux autres années, de 2011 à 2014, je n'aime plus enregistrer quand ils sont là en fait. Mis à part les lives où il y a une autre ambiance, je n'aime pas enregistrer quand ils sont là. Et du coup, vu qu'ils sont toujours là quand je suis à la maison, bah du coup c'est vraiment le nombre de fois où je me dis « Ah, j'aurais pu tourner ça, ouais, mais j'ai pas envie de commencer à crier, que ma mère arrive et me dit « Ah, tu fais trop de bruit !» C'est un peu le paradoxe de ma vie, c'est vraiment j'ai envie de le faire, mais je me donne pas les possibilités de le faire. J'ai pas d'endroit de studio pour le tourner, là je suis dans ma chambre avec un fond vert derrière moi. Et vraiment, parce que je sens que j'ai envie de le faire, j'achète du matos par centaines de francs, là, je viens de m'acheter un kit de lumière Elgato à 400 balles pour mes 4 viewers sur Twitch. Enfin, c'est une situation où je sais pas en fait. Je sais pas comment font les gens qui commencent maintenant aujourd'hui, qui commencent sur YouTube, comment est-ce qu'ils font en fait? D'où est-ce qu'ils trouvent cette motivation pour persévérer? Évidemment, ma chaîne, c'est pas ce qu'il y a de plus original. C'est mon contenu n'est pas original. C'est un peu aussi un des gros problèmes de ma chaîne, en fait, c'est que je m'étends trop, en fait. J'ai jamais trouvé le concept propre à moi-même ou sur lequel je me suis attaché. J'ai fait pendant 3 ans du gaming pur. J'aurais dû faire un peu plus des choses un peu différentes justement parce que je pouvais, j'aurais peut-être pu si j'avais persévéré aller un peu plus loin à ce niveau-là avec mon ancienne chaîne. Hein. Mais justement, c'est à partir de là que j'ai eu cette baisse de motivation qui m'a conduit à produire moins de vidéos. Justement, pendant 3 ans, je produisais 3 vidéos par semaine, ce qui était immense hein, à ce niveau-là, même s'il n'y avait pas de montage à faire. Donc je suis en train de me demander, mais qu'est-ce que je vais faire pour le futur de cette chaîne? Est-ce que je vais arrêter dans ces prochains mois? Arrêter tout ce que j'étais en train d'entreprendre? Des fois, ça me passe par la tête, mais j'ai pas envie. Ce serait comme abandonner une passion que j'ai eue pendant 8 ans. Ce serait vraiment trop dommage par rapport au truc que j'ai testé, que j'étais en train de réfléchir, que j'ai écrit. Je pense qu'il y aura vraiment un cap qui va peut-être pas mal changer, c'est quand j'aurai fini mes études. Je suis actuellement encore en études poussées dans la vidéo. Et à partir de là, j'aurai sans doute un salaire beaucoup plus correct et je pourrai enfin avoir mon appartement. C'est-à-dire que je pourrai vraiment enregistrer n'importe quand. Et j'espère vraiment que c'est quelque chose qui pourrait me reconduire à retrouver une motivation de tournage, faire des vidéos chez moi, tout seul, quoi. Vraiment, je peux faire du bruit sans qu'on vienne m'emmerder, qui justement, quand je fais du live ou des vidéos, je me restreins un peu. Vous pouvez avoir remarqué, il y a certains de mes lives où mes parents n'étaient pas du tout là, toute la soirée, j'étais seul, absolument tout seul. Mais j'étais déchaîné, quoi. Quelqu'un va dire que je surjouais. Non, c'est juste que je me lâchais. Le joueur du grenier qui avait dit ça dans une ancienne vidéo, où justement il parlait de comment est-ce qu'il tournait, il disait vraiment dans ses vidéos il se lâche. Dans la vraie vie il n'est pas forcément comme ça, mais dès qu'il enregistre, paf, il lâche tous les petits verrous qui se mettent dans sa façon d'être pour avoir vraiment une vidéo qui puisse être la plus dynamique possible. Et c'est un truc que j'arrive plus à faire depuis un moment, notamment à cause de ces problèmes d'habitat. Mais je sais pas justement si le futur me permettra de faire plus. Mais j'ai pas envie d'abandonner, j'ai encore des projets, j'ai envie de continuer. Je vais essayer de voir si j'arrive à me remotiver, me remettre sur le Yametezap. Je n'en ai pas tout parlé. Donc ça sera peut-être une surprise pour eux de leur dire que je suis pas motivé. Mais enfin, je pense qu'ils l'ont vite vu, hein, vu que j'ai mis 3 ans pour sortir l'épisode 0 de la saison 2. C'est un peu catastrophique, quoi, comme je gère ma chaîne YouTube. Vraiment, je sors une vidéo toutes les deux semaines, un mois au maximum. Enfin, au minimum, mais plutôt. Et c'est, comme je disais plus tôt, la seule chose que j'ai encore ça un peu à me tenir, c'est les lives. Actuellement, les lives, j'avais aussi tenu entre 1 et 2 jours de live par semaine. Et ça, c'est pour terminer plutôt sur 1 jour par semaine. J'ai essayé de mettre le mercredi au milieu, mais c'était
pas, ça allait pas dans mon style de vie et dans mon style de contenu justement. Et surtout en fait, comme pour ma chaîne, il y a encore très peu de gens sur ma chaîne Twitch. Disons que c'est très rare de dépasser les 10 viewers. Ça m'est arrivé hier et étonnamment, je sais pas pourquoi. Justement, des fois je passe les 10 viewers pour le même contenu et je n'ai juste aucune idée pourquoi. Qu'est-ce qui fait que des fois il y a du monde, des fois pas. Je pense vraiment que c'est un problème de contenu par rapport à ma chaîne Twitch. C'est vrai que ce que je fais beaucoup, les streams animes. Donc pour ceux qui sont pas au courant, on regarde tous les samedis des 20h30 les animes de la saison. Et c'est justement un concept qui est sympa, disons que c'est très peu de monde qui le fait. Vraiment, à part moi, je crois que j'ai vu personne, à part peut-être dans les onglets, mais j'en connais pas, qui font vraiment des soirées animes, je n'en connais pas. Donc, pour une fois, j'ai un concept qui marche, enfin, un concept original. C'est quelque chose qui ne marche pas sur Twitch, parce qu'évidemment, c'est le problème des animes, c'est que tu rates une semaine, tu rates du contenu, tu es obligé de rattraper un live si tu veux suivre le suivant. C'est pas un contenu qu'on appelle user-friendly, c'est vraiment pas quelque chose que tu peux aller voir à n'importe quel moment, quoi. Faut le suivre un minimum, et si tu le suis pas, c'est un peu la merde. Il y en a plein qui me disent « Ouais, j'essaie de rattraper tes streams, des fois, j'arrive pas. » Et je vous comprends totalement, hein. Regarder 3 heures de vidéos comme ça par semaine, enfin, vous le faites pas comme ça, quoi. C'est pour ça que c'est pour ça que je pense quand même prochainement arrêter les streams animes, en tout cas momentanément. Là, on arrive dans les 2-3 dernières semaines de cette saison-là. Et ensuite, là, je pense que j'arrêterai de faire des streams animes pendant un temps, pendant 2-3 saisons peut-être, voir comment se développe ma chaîne et mon activité professionnelle par rapport à mon appartement, tout ça, mon motivation générale, et essayer de retomber plus sur du stream du stream gaming, hein. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi faire, que c'est vraiment quelque chose où j'offre du contenu en direct sans avoir de faire du montage par derrière, mis à part les best-of que là où si j'ai la flemme de monter alors qu'il n'y a pas grand chose à monter, honnêtement. C'est juste que je m'impose du retard vu que j'ai la flemme. Plus j'ai de la flemme, plus j'ai du retard, et plus j'ai du retard, plus j'ai la flemme. Donc c'est un peu un cercle vicieux dont j'arrive pas à sortir. Et qui sait, peut-être justement retourner sur un contenu par rapport à Twitch et YouTube, je pourrais un peu mixer les deux, où justement je ressors des packs de 30-40 minutes d'une session gaming sur un jeu, par exemple en semi-let's play, semi-live, hein, où justement je cale par partie de 20-30 minutes sans montage sur YouTube. Ça marchait en 2011-2012, les vidéos de 30-40 minutes, c'est comme ça que je me suis fait connaître à la base. C'était vraiment, je faisais des vidéos de 20 à 40 minutes. C'est vraiment quelque chose de standard. Maintenant, c'est plus trop le cas, ce genre de vidéo-là. Il y a pas mal des fois des vidéos, des rediffusions de live, ça arrive, mais c'est trop souvent des gros streamers qui le font, et pas des petits streamers. Je suis pas sûr que ce soit faisable. Donc je me dis, est-ce que ça vous dérangerait? Dites-moi dans les commentaires que ça vous dérangerait que je retombe sur un contenu beaucoup moins travaillé, on va dire, hein, avec moins de montage ou des vidéos un peu plus longues, ce qui me permettrait peut-être de faire peut-être plus de live un jour de plus, c'est-à-dire justement reprendre le mercredi comme je l'ai fait un temps, et faire plutôt des vidéos de type gaming, un peu multi-gaming, un jeu qui vient de sortir, quelque chose, parce qu'évidemment c'est que du coup je joue très peu aux jeux vidéo à part pour Warcraft ou Beat Saber actuellement. Ça permettrait de vraiment pouvoir retrouver d'autres types de jeux que je n'ai pas touché depuis longtemps et vous donner du contenu un peu différent. Donc voilà, j'ai fait un peu cette vidéo un peu à l'arrache sans vraiment prendre de notes, hein. J'ai mis 5 mots-clés sur un fichier texte pour essayer de me rappeler ce dont je voulais parler. Donc j'ai peut-être loupé des informations dans ce que j'aurais voulu dire, dans le message que j'ai voulu faire passer. TLDW, Too Long Don't Watch. Je serai à Japan Expo en juillet. J'ai perdu beaucoup de motivation pour faire des vidéos et je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. J'espère avoir un appartement prochainement qui permettra de retrouver une motivation de tourner quand j'en ai envie et pas être dérangé. Je ne sais pas combien de temps cette chaîne va tenir encore, mais j'espère que je vais encore la tenir un bon moment. Je pense arrêter les streams animes sur Twitch et retomber sur des streams gaming dont je pourrais ressortir des VOD de 30-40 minutes par épisode pour YouTube. Donc sans montage. Et puis voilà, quoi. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc si vous avez tenu jusque là, bah déjà merci, hein. Cette vidéo ne devait pas être très très intéressante, hein. C'est vraiment une vidéo très 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 intéressante à voir. Je vais mettre une musique jazz à la con et un montage en cut, quoi. C'est la musique, c'est la vidéo du non contenu. Au secours. Comme d'habitude, hein, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me soutenir, ça ferait plaisir. Aidez-moi. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live ou autre chose. Allez, ciao !